Je suis Yannick Butignol, je suis éducateur et entraîneur au club de Villefranche 13 Aveyron. D'accord, donc aujourd'hui tu es présent dans notre fac. Oui. Quel est l'objectif? L'objectif c'est surtout de faire connaître le club, qui est le seul club de rugby à 13 en Aveyron, mais aussi de faire découvrir notre discipline. Donc c'est une discipline qui est en train d'émerger en France, et donc les licenciés augmentent, et nous sommes là pour se faire connaître. Alors concrètement, les gens qui veulent venir s'inscrire, ça se passe comment? Alors ça se passe le samedi après-midi pour les petits. Donc nous avons une page Facebook, un site internet avec tous les contacts dedans, Villefranche 13 Aveyron, les loups. Et tous les samedis après-midi à 13h45 au stade Henri Lagarde pour les petits. D'accord. Peu importe l'âge, on peut venir, qu'on pratique du rugby. On a aussi, c'est une association, donc comme toute association, il y a divers, je vais dire, tâches à faire. Donc il y a tout ce qui est cuisine, les bénévoles sont les bienvenus, les joueurs de 7 à 77 ans, voilà, nous accueillons tout le monde comme une association classique. Alors, apparemment, vous aimez bien manger, vous avez fait une action commune avec les bœufs de Pâques, un repas. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Oh mais la manifestation, ils sont venus nous soutenir lors d'un match de Coupe de France contre Ferrals. Donc nous avons créé le lien là. Et nous venons parce qu'aussi l'histoire du bœuf est un peu parallèle à l'histoire du rugby à 13, où à un moment donné, eh bien, il faut les aider aussi, il faut qu'ils se refassent connaître, qu'ils reprennent des marchés. Et voilà, on a trouvé le parallèle intéressant et c'est des bonnes personnes. Alors,